Oui, je pense, Sina, que nous allons le déplacer, le mettre autre part, parce que ce n'est plus possible. Apparemment, ce n'est pas les premiers à être venus et à avoir sonné. Et c'est vrai que quand on vit sur une île aussi grande que celle-ci, cela est compliqué d'entendre le cor à chaque fois. Mais venez, asseyez-vous. Vous auriez quelque chose à boire? Oh, Sina? Oh, Sina s'occupera de vous, c'est elle qui a fabriqué les boissons. Très bien. Donc c'est ça ici votre fameuse taverne Oui. Nous n'avons pas encore ouvert. Elle va s'ouvrir seulement demain à 21h. Ou 20h. 20h, 21h. Très bien. Du l'absinthe pour s'il vous plaît. On n'a pas encore eu la commande que nous avons passée pour la taverne, bien sûr, elle devrait arriver un peu plus tard, mais pour le moment, nous avons que de l'hydromel. Hein. Donc ça se voit, c'est le principal. Chez Jean. Bah, Vas-y, Sina, dis-moi. tu n'as que de l'hydromel. Un verre d'eau. Et du coup, vous vous nommez? Wasabit. Wasabit. Et vous, Macha? Une petite rencontre et surgit pour moi. Bah écoutez, enchanté, je m'appelle Gaïa. Et comme vous l'avez entendu, Sina, pour mon ami. Et que nouveau votre visite? Oh, une petite balade de... une petite visite de course. Ah, vous avez raison, l'Est est magnifique à visiter. Bon, pas le côté jungle, mais ce côté-ci, du moins. Et vous voulez dire plutôt côté marécage. Ça va, il y a pire comme marécage, hein, je trouve. J'adore moi de jungle. Ah, bon, autre chose. Et où habitez-vous? Quand vous longez le cours de la rivière principale, bon, on se trouve vous avez juste avancé tout droit et vous tombez sur un village de solo. Et si vous avez une carte plus précisément, c'est en N6. En N6. Ah, vous M. vivez. Ah, M. M6. Ah, vous vivez dans la jungle? Oui. Tout à fait. Ah, vous êtes des voisines en fait. Exact. Ah, mais vous connaissez sûrement nos amis, Mordred et Sacroix, et Manilena. Ah bah oui, des bonnes personnes. Moi, je ne connais pas grand monde sur cette terre. Non, des fois ça m'arrive, mais là je n'ai pas envie de boire d'alcool. Alors que nous ne sommes même pas encore ouverts. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, sachez que si jamais vous venez à être fatigué ou quoi que ce soit, nous avons des chambres. Du J'ai coup, déjà pris une disposition. oh, parfait. Mais du coup, vous êtes deux femmes seulement. Vous faites partie d'une tribu, d'un clan, D'un d'un village. royaume D'un village qu'on a créé. que vous avez créé. Oui. Oh. C'est le village des aventures. Non, moi non plus. Vous Il savez est. ma localisation?
Oui, M6, Sina. Il se trouve en M6. M6. Près d'un petit passage que les autochtones l'appellent le passage de la grotte de Porello Panthère, qui se situe dans la jungle. Autrement dit, la crevasse. Ou la crevasse, si vous préférez. Ça doit être un magnifique endroit, un bon endroit pour s'y perdre. Pas du tout. C'est un endroit bien calme. Non, je suis à la hauteur. Je repose de temps en temps d'aller l'eau. Vous prélevez de la peau. Exactement, il mange. Pas de viande savoureuse. D'ailleurs, si vous êtes éleveuse, j'ai des panthères qui attendent de. Oh, non, on ne travaillons pas. Mais... Hein? C'est bizarre, j'ai beau avoir mis un pancake pour que les gens viennent récupérer. Étant donné que je suis pas en état de les aider à les élever, etc. Mais je les conserve un petit peu. ah. Je pense à les nourrir, à les... Mais il me semble que, si je ne me trompe pas, il y a Akira dans l'Est qui s'occupe des animaux. Et il me semble même qu'il fait des prix lorsque vous fournissez animaux et nourriture. Très bien. Enfin, du moins, il le fait pour nous, donc je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour nous. Bon, nous ne sommes pas ennemis non plus, c'est juste que nous ne les fréquentons pas Ouais. de façon régulière, oui. Moi aussi, je peux vous donner un conseil, c'est de faire attention à vous. Ah, J'ai pourquoi donc? entendu dire hier par Madame Takaoka Quelle tient, celle-là? qu'elle complote contre tout le monde. Ah oh. Bon, vous savez où? Quand on utilise ces termes-là, vaut mieux être avec des personnes de confiance. Donc, ce qui peut lui rester une mort. Et Et puis, si... cela ne nous regarde pas, qu'elle complote avec qui et qui elle veut. Cette femme passe plus son temps à écarter les cuisses que de faire grand-chose. Donc j'ai envie de dire, elle peut comploter autant qu'elle veut. Je sais Bah, que si je ne nous sommes m'abuse ensemble. pas, le but de votre taverne, c'est bien de vendre votre corps ou... Oh, je ne vends pas mon corps. Nos femmes, nos filles qui vivent sur l'île. Veulent rendre hommage à l'Erketo. Et quoi de mieux que d'assouvir le besoin de l'Erketo, hein? Les hommes ne dorment pas sur l'île. Nous ne voulons pas d'hommes sur l'île. La limite, la taverne est le seul compromis que nous avons trouvé pour y autoriser les hommes. Bon, étant donné que je suis un peu novice dans... Comment on peut dire ça? Bon, j'en ma copine vos habitelles qui est pris d'Arquetto, bah, me la... m'a demandé de prier avec elle de temps en temps, mais mon dieu de base, dont je m'énerve, c'est Ymir. Ah. Oui. C'est ce terme-là. Mais oui, je pense que tu... Oui. Bon, depuis ma naissance, j'ai eu l'habitude de traîner que dans des terres enneigées.
Oh, ouf, tout ce que je déteste. Bah pourtant c'est pas. C'est bien la neige. Ah non, il fait froid et. Bah alors juste tes paysages. Hein. Et de loin. Et vu que j'en profite, et vu que c'était le malade, j'en profite pour me balader sur les terres. Mais j'ai quitté ma tribu pour m'installer avec mon ami Wasabi qui s'est trouvé actuellement ici. Étant seul, bah, j'ai voulu l'argent. Ah. Je suis un warrior. Esclavagiste. Ah. Ça, c'est un très bon à savoir. Et je fais aussi un autre petit métier, si vous voulez faire de la petite décoration de tête d'animal ou d'animaux, n'hésitez pas à venir. Faites-vous les animaux empaillés, ma chère. Oui. Oh, je garde ça au coin de ma tête. Je passerai partout au sein d'une près d'une missive. Je vous enverrai une missive, cela sera plus simple. J'avais même marqué ça par l'aide de mon ami Orgy qui m'a dit pour ton métier que tu fais, n'hésite pas à passer ça dans un petit panneau public. Donc ce que j'ai fait. Ah, veuillez m'excuser, je n'ai pas marché beaucoup autour de la cité ces derniers temps. Je n'ai pas regardé les panneaux publics récemment, mais j'ai pensé. Après, c'est avec plaisir que nous, lorsque nous ouvrons la taverne, vous pourrez faire votre propre publicité pour vos esclaves. Enfin, j'espère que ce ne sont pas des esclaves, mais bien des gens qui recherchent du travail volontairement. Je n'approuve pas le terme esclave. Après, voilà, ce sera peut-être l'occasion pour vous de faire de la publicité si vous le souhaitez. En tout cas, on vous donne l'autorisation de faire cela. Bon bah avec grand plaisir. Ça peut tout à fait. D'accord. En plus, vous n'êtes pas bien loin, donc ça empêche de revenir jusqu'ici. Bah, ça c'est sûr. Mais la prochaine fois, pensez à prendre des maillots de bain, les filles. Vous savez, on a une piscine, de quoi pouvoir aller nager. Ah là, malheureusement, ça ne sera pas possible. Vous avez vos problèmes de filles, ma chère. Oui. Ah. Oui, bon, parce que vous n'aurez plus vos problèmes. Je n'ai. Merci Sina pour cette classe. Mais du coup, oui, du coup, Orgy et je vais avoir du mal avec votre prénom, ma chère. Vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît. Waza Bit. Waza. Je peux vous appeler Waza? Ça, oui, ça ira. Ah, ouais, du coup, Orgy et Waza. Du coup. Non, je vais vraiment te demander de sortir, Sina. Veuillez excuser Sina pour ce manque de contexte. Ah, c'est bon, vas-y vite, j'ai appris la télécine. Comment? J'ai pas la vas-y vite, je suis en disant que je t'ai répondu à la télécine. Mais du coup, oui, du coup, avez-vous un mari? Êtes-vous en couple? Ou vous êtes deux femmes solitaires? Ou alors vous êtes en couple à deux? Bah, j'ai déjà solitaire pour ma part. Qu'est-ce que deux femmes aussi belles sont seules?
pour un prix. Bon, bah, peut-être qu'on le trouve moche, hein. Ah, mais après, chaque femme a son... a sa beauté et a son... et a son charme. Apparemment, je ferai partie du top 3. À écouter les handis, mais bon, c'est que la vie de certains hommes. Oui, bon, bah, c'est toujours plaisant de savoir que je fais partie du top 3. Déjà que je devrais faire partie du top 1 normalement. Mais bon, soit. En tout cas, personnellement, moi je trouve que je fais partie du top 1. Bon. Tout à fait, je pense que oui. Je pense que oui, et tu as raison, Simon. Certaines ont plus de fierté que d'autres. Hein. Et je parle pour moi, bien sûr. Vous souhaitez revoir quelque chose, les filles ? Non, merci. Et du coup, quel âge avez-vous ? Non, parce qu'on leur sert de l'alcool, mais je ne sais même pas leur âge. Ouais, ça va vous étriper, papa. Enfin, j'ai que 17 ans. Oh, bah, après tout, qu'est-ce que 17 ans ? Je ne pense pas qu'elle a des parents sur cette terre, du moins. Je pense que, si j'ai bien compris, vous ne voyez plus vos parents, machin. Non, mais j'avais un grand frère et une grande sœur, mais plus de nouvelles. Pour une question. Mais dire que je suis arrivé avec elle sur la terre. Non, avec elle, j'étais venu avec elle sur la terre. Oh mon dieu. C'est vrai qu'on a du mal à vous entendre, ma chère Oxygène. Et ben pour. Oui. Et ben pour moi, c'est. Pour moi, j'ai 18 ans. Ah. Et avez-vous d'autres hommes et d'autres femmes au sein de votre village? Non. À part les gardes. À part nos gardes. Méfiez-vous, mes amis, enfin, je dis mes amis, c'est un drame amical. Un homme au nom de Gunther se permet de tuer les citoyens et les villageois, villageoises des terres. Mais Dieu, c'est avant j'étais avec lui, j'ai tué trois loups. Comment ? Avant j'étais balade avec lui et j'ai tué trois loups. Oui, je l'ai officiellement banni de l'île d'Orvar. Il a tué. Non. C'est pas parce que la taverne est sur l'eau qu'elle ne fait pas partie de l'île d'Orvar. Sinon, je préfère venir le sable dans la taverne. Mais oui, il a tué deux de nos danseuses. Alors qu'elles étaient peu vêtues, à vrai dire, elles avaient une force de mouche, si vous voyez ce que je veux dire. Et hier, cet homme s'est permis de tuer un de mes Yeti, un cadeau de ma tendre amie Anna, qui me l'avait gentiment offert. Je suis attristé d'apprendre que les danseuses n'ont pas survécu à sa lame. Elles sont talentueuses pour danser, pour voilà ou autre. Et par contre, pour ce qui est du... Tout à fait. Donc s'en prendre à des femmes n'ayant même pas d'armes sur elles et même pas d'armure, je trouve ça assez lâche pour un homme ayant une armure lourde et une épée... Une épée bien plus grande que moi, mais bon. Merci. Mais après, si je peux donner un conseil, pour vos danseuses, maintenant qu'ils sont tous à peu près même tenus, ça serait bien de changer un peu les couleurs.
prendre un peu des tenues ou changer un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas bête. Ou mettre des tenues, voilà. Ou sinon trouve. Non, non. Oui. Je reviens tout de suite, attendez-moi là, j'arrive. Très bien. Merci. Merci. Je suis une créatrice de mode après tout. Alors, je ne pense pas que tu vas gagner, Sina. Regarde comment tu t'habilles. Ah, on va vous aider. Oui, la dernière fois que Sina a touché à une chaise ici, elle m'a détruit le sol. Merci. Ah, c'est maudite chaise. J'avais dit à Sina de ne pas mettre de la glu dessus. Pas pour couler les chaises au sol. Ah, oh, t'aurais pu le dire avant que notre ami s'assoie dessus. C'est pas un machin. Ah, je pense que nous avons encore de la visite. Ah bah parce que je vois. Enfin, qu'il y a une dame qui arrive. Bon, si je peux vous permettre, excusez-moi de cette remarque un peu déjà. Et votre sol, il y a des petites traces au-dessus, mais vous passez. Ah, mais c'est... Mais oui, nous allons demander à une de nos servantes de nettoyer cela. Mal leur métier. Après, si vous voulez nettoyer ceci, pour que le carrelage, pour que votre carrelage soit bien brillant, n'hésitez pas à aller dans la jungle... Tout au fond, près d'un arbre, il y a un joli gorille qui mange des bananes. Utilisez les bananes. Et ça fera un sol magnifique. Oh. Bah après, vous faites ce que... Après, vous pouvez... Bah vous mangez des bananes. Et après, vous prenez la peau de la banane pour votre femme de ménage et qui devra frotter le marbre pour qu'il soit brillant et magnifique. Oh, je ne savais pas, c'est intéressant à savoir. Tiens, vous verrez que quand vous venez chez nous, le sol est totalement hybride. Ah, il est très brossé. Ah bah j'ai hâte de venir voir cela alors. Et à savoir, c'est moi-même qui t'ai brossé le sol. Ah, je crois que... Eh ben, je vais donc vous laisser à vos occupations, mesdames, et je vais continuer ma petite balade sur cette terre avec mon ami Orgie pour rencontrer un peu de nouvelles personnes. Ah, au plaisir, et vous repassez quand vous voulez, hein. Avec grand plaisir. Et merci pour l'astuce de la banane. Ah, de rien. Au plaisir. Au plaisir. Nous passerons sûrement venir voir votre demeure si vous ne voyez aucun inconvénient un peu plus tard dans la soirée. Mmh. Okay. Laisse-moi juste... Surtout nos voisins. Tout à fait, surtout quand ces personnes sont mes voisines. Moi non plus. Bah écoutez, au plaisir alors, et je vous souhaite bonne route. Merci. Oh, ça va aller, ça. On habite pas très loin et on connaît
bien la jungle, donc ça va. On sait éviter les dangers. Tout à fait. Oui, surtout à propos de cette Takaoka. Si vous nous dites de nous méfier, c'est que vous-même vous méfiez. Moi, cette personne-là, comme je vous l'ai dit, je n'ai encore rencontré pas beaucoup de monde. Juste une petite question avant que vous partez. Wasabi, de quelle origine êtes-vous? Moi, je suis du soleil levant. Alors, d'accord, vous jouez un peu. Ouais, d'accord, vous êtes de ce secteur-là maintenant. Et si j'ai les ados solides, on ne sait pas. Et donc, pour ma part, je suis mongol. Et si vous préférez dans votre langue, quitte. Bon, c'est un peu une ressemblance. Après, que sur ces terres, voilà. Plaisir. Ah, c'est vrai. Déjà, t'as coqué son aide apparemment. J'arrête de. Pardon, de la trucider. Ah, je suis supporté possible, putain. Vas-y, putain, tu ah, c'est à force d'entendre les pings me dire ça, putain, mon gars, etc. Ça montre en tête. Hein. Il a une voix qui. Il a une façon de parler qui a sinueux à reproduire sa voix. À reproduire ses. C'est bien vrai, c'est bien vrai. En tout cas, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur votre histoire, mesdames. Avec grand plaisir. Là, je dois aller voir une personne. C'est pas contre eux, c'est juste pour des affaires un peu plus personnelles. Merci. Moi de même. Au plaisir. Très bien. Ben attends, je pense qu'il faut accueillir Anna. Céliano. Comment vas-tu, Anna? Ah, Anna. Bonjour, ça m'a attendu longtemps. Bah Bonjour oui. Anna et au revoir Anna. Au revoir. Oui, j'ai des problèmes. Enfin, pas plus que moi, mais. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, vas-y. Maintenant, ça va en détruire ma dis-moi. taverne. Oui, si bien.